Pourquoi mon chien mange de l'herbe? C'est le thème de notre vidéo du jour, de notre défi une vidéo par jour pendant 30 jours pour vous aider à mieux comprendre, éduquer et respecter votre chien. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr. Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Répondons aujourd'hui à la question de Karine qui nous dit « J'ai un bosseron de 18 mois, il s'appelle Rip et il mange de l'herbe. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Est-ce que je dois m'en inquiéter ?» On va s'intéresser à trois raisons qui peuvent pousser un chien à manger de l'herbe. Avant de commencer, il faut savoir si c'est quelque chose d'occasionnel et de très fréquent. Si c'est très fréquent, il faut aller chez votre vétérinaire, il peut y avoir un souci médical sérieux derrière. Maintenant, si c'est occasionnel, c'est un comportement normal et on va parler de trois situations dans lesquelles le chien va avoir ce comportement. La première situation, ça peut être une carence en fibres passagères et le chien va chercher à combler cette carence en ingérant des végétaux, notamment de l'herbe ou d'autres plantes. Si cela devient récurrent, fréquent, il faut s'interroger sur la qualité de l'alimentation que vous donnez, peut-être qu'elle n'est pas assez riche en fibres. La deuxième situation est un cas un peu plus sérieux, il s'agit du pica, c'est un trouble du comportement. Et en général, si votre chien fait cela, ça ne se limite pas à de l'herbe. C'est un chien qui va être capable d'ingérer de la terre, des cailloux, des objets en plastique, plein de choses qu'il va trouver au sol. Alors ce trouble du comportement peut être le résultat d'un trouble du pancréas. Donc avant de s'attaquer au côté comportemental pour apprendre au chien à ne plus faire cela, c'est la même chose, hein, c'est vétérinaire pour s'assurer qu'il n'y a pas de souci de santé. Il est important d'écarter les raisons médicales et après vous pourrez travailler sur l'habitude avec un éducateur canin. La troisième raison, et c'est celle qu'on entend le plus, c'est pour se purger. Alors, comment le chien se purge en mangeant de l'herbe? Consommer de l'herbe va inciter le chien à régurgiter. D'ailleurs, vous avez sûrement remarqué que lorsque votre chien fait cela, pas longtemps après, il va vomir jaune, il vomit de la bile, et c'est une façon naturelle pour lui de purger son estomac. Il va ainsi le purifier et éliminer des toxines qui pourraient être présentes dedans. C'est la raison la plus fréquente pour laquelle un chien va manger de l'herbe. Je répète donc ce que je vous ai dit au début. Il faut faire attention si ce comportement est très ponctuel, pas de souci, c'est naturel. Maintenant, si ça revient de façon très fréquente, c'est que votre chien ressent ce besoin de purger très fréquemment son estomac. Il peut y avoir quelque chose de plus grave derrière, comme une gastrite. Et donc, il va falloir aller consulter votre vétérinaire. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le comportement du chien qui mange de l'herbe. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre à comprendre ce comportement. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.